Mon cher Strickland, tu es victime d'une blague au prof. Très amusant, les jeunes. Vraiment très amusant. Je crois que ce garçon ici manipule la télévision avec son téléphone. Je l'ai pris en flagrant délit du coin de l'œil. C'est lui qui a fait ça? Ah, ouais. C'est toi? Attends, qu'est-ce que... Donne-le-moi. Maintenant. Tu crois que c'est amusant? Manipuler la télévision avec ta saloperie de téléphone? Non, c'est pas moi, je vous jure. Je vais te montrer ce qui est amusant. Tout le monde, faites le hashtag « On fait pas chier ». Son bras! Il n'y aura plus jamais d'interruption dans ma classe. Aucune! On va regarder ce magnifique documentaire sur la guerre civile et c'est pas Tupac versus Biggie! Il a perdu une jambe à Gettysburg et un bras à Chickamauga. Mais sa soif de tuer est restée inassouvie. Ok, eh bien... La guerre... Ça fonctionne, alors je vais reprendre ma classe. Et mène la ferme! J'ai dit aucune interruption. Sois au moins un exemple pour ces jeunes, man. L'hiver s'annonçait très long. Il devait amputer la jambe de son fils avec rien qu'une baïonnette et une boîte d'allumettes. Les familles devaient sans cesse prendre des décisions déchirantes, séparées ici et là. Qui a fait ça? Qui l'a fait? Qui a fait ça? Dites-moi qui! C'était toi! C'était toi, hein? Donne-moi ce téléphone! J'en ai pas, vous avez bousillé le mien, vous vous rappelez? Ok. Ok. Saleté de merde, j'en ai marre! Je ne sais pas ce qui se passe ici. Rappelle-toi de ça, les professeurs se soutiennent.